chauffeur, il m'a passé du tabac contre moi dans une semaine qu'il travaillait chez moi. Il a fallu 12 ans à la justice pour le choper. Pourquoi ? Parce que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire m'avait déjà liquidé et que si on acceptait la condamnation du chauffeur, il fallait payer la casse. Alors, les procureurs ont mis 12 ans à faire valoir un droit qui aurait été reconnu par un enfant de 5 ans au moment des faits. Ils ont condamné à 120 000 euros le coupable. 12 ans après les faits. Entre-temps, ils avaient liquidé mon entreprise comme des porcs qui sont. Voilà, j'ai dit ce que j'ai à dire. Et la raison pour laquelle je me trouve ici. Voilà. Et je suis solidaire avec les copains. Avec les copains. Mais la parole. Moi, je suis auto-entrepreneur dans le Nord. Voilà. J'arrive ici et on me dit qu'il y a la même situation. On est en train de changer tous les statuts pour les auto-entrepreneurs. On est en train de niquer les gens qui veulent s'en sortir. On baisse tout le monde dans ce pays. Tout ce qu'on veut, c'est prendre de l'argent. Eh ben alors, allez-y, prenez du fric. Prenez du fric. Nous, on va vous donner ce qu'on a. On a de la haine. Là, ils vont la prendre, la haine. Il n'y a pas de problème. Bonne journée, monsieur dame. Y'en a marre, tu vois. Y'en a marre, on est arrivé à bout. Tu vois, là, on est là en train de manifester, on n'en peut plus. On paye trop de charges. Et c'est pour nos enfants qu'on fait ça. C'est pour nos enfants. Et on y est. Allez!
Bonjour, on va te casser ton soutien.